Donc, on est là pour faire le prélèvement d'échantillonnage du sol donc, dans le parcelle d'Ibrahima Gueye. Donc, pour faire ça, on commence à faire limiter le parcelle et en quatre grilles. Donc, chaque grille, on prend un prélèvement d'échantillonnage avec la méthode de tarière jusqu'à 20 cm. On enlève le tarière, on met dans un sachet. Et le sachet doit être étiqueté avec le nom, la date, et la profondeur et les coordonnées du parcelle. Donc, la première chose qu'on commence à nettoyer la couche, enlever la couche celle-ci, jusqu'à une couche un peu dure, ok? Et je commence, j'amène la tarière et je commence à enfoncer la tarière jusqu'à la profondeur demandée. Donc ici, on va aller jusqu'à 20 cm. Ok, la couche. Donc je prépare sachet pour mettre l'échantillon. Tout doucement, j'enlève et je mets ça dans une sachet. Je commence à mettre. Je prépare étiqueter le mettre la date, la profondeur et les coordonnées GPS de l'échantillon. Bonjour, nous allons vous expliquer un peu le procédure du profil du sol. Nous avons fait un trou de 80 cm de profondeur. Donc, nous avons trois horizons. Nous avons l'horizon O, qui est riche en matière organique, mais non décomposée. Nous avons l'horizon B, là où se développent les racines. C'est là que la matière organique se développe. Et nous avons l'horizon B, qui n'a pas assez de vie, et ce qui est dû à la pauvreté du sol.